Golf Mag vous est présenté par la forfaiterie. 1500 forfaits cadeaux, une seule adresse. Cette émission est enregistrée sur les sites du club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean. À Golf Mag, cette semaine, on vous présente un terrain qui a décidé de faire les choses différemment cet été. On a organisé un méga week-end golf avec toutes sortes de compétitions, des événements pour les juniors et même un concours de longs coups de départ présenté sous les réflecteurs. Alors, sans plus tarder, voici le club de golf de Saint-Prime aux abords du majestueux lac Saint-Jean. Fondé en 1973, le golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean est situé dans une nature somptueuse. Parcourant sur toute sa longueur le majestueux lac Saint-Jean, ce magnifique 18 trous vous donne un point de vue splendide sans pareil. Le méga week-end golf du club de golf Saint-Prime est une idée de Jonathan Lambert, le directeur du golf. Le méga week-end golf, c'est quelque chose dans lequel j'ai travaillé énormément. L'idée première est de démocratiser le golf. Vous allez voir, ce soir, on a un show incroyable, concours de drive, un skins game avec les professionnels, des tournois de toutes les sortes. On va toucher la famille, on va toucher à peu près à tout pour amener toutes sortes de monde, en plus de nos golfeurs sur notre terrain. Puis en même temps, on veut faire parler du club de golf Saint-Prime sur le lac, qui est un magnifique endroit pour jouer au golf. Toujours une magnifique vue sur le lac Saint-Jean, on s'entend. Terrain qui a des défis assez différents. Quand même assez court, mais avec énormément de plans d'eau, donc il y a moyen de se faire mal, pas mal à tous les trous. On a des grands verres, pas nécessairement ondulés, mais là, de plus en plus, on travaille sur notre vitesse pour se ramasser avec des verres de vitesse de 9, 9,5. Là, présentement, on est à 9,5, mais avec des verres très humides, donc la vitesse est un petit peu moins grande aujourd'hui. On commence à entraîner les juniors, les meilleurs de la région aussi, parce que le championnat provincial s'en vient ici en 2018, junior. Puis, je donnais une clinique dernièrement avec les autres professionnels de la région. Comment frapper les stingers, les balles basses, parce qu'ici, le vent, c'est probablement la principale factor. Notre parcours est en processus de changement. On va passer de 6400 verges à 6850 verges. Donc, on s'entend qu'on va avoir un défi pas mal différent. Les plans d'eau sont encore plus en action, sont encore plus en jeu. Donc, c'est surtout la longueur qui va venir que ça va changer. Le club de golf de Saint-Prime donne la chance à pas moins de 60 golfeurs juniors de se développer, de s'épanouir. Et pour l'occasion, on a organisé une belle panoplie d'activités, c'est-à-dire des concours de coups d'approche, de coups roulés et de coups de départ. Voyons ce que ça donne. Les jeunes du programme junior ont eu beaucoup de plaisir. Les défis se sont déroulés sur le 18e trou du parcours. Chaque enfant avait 3 balles à frapper. Les plus jeunes avaient 6 ans. Garçons et filles de l'équipe junior élite ont réussi de très beaux coups. Le plus spectaculaire, c'est de voir des tout-petits frapper de belles drives. Ils ont pu s'exécuter sur la plateforme qui était installée pour la longue drive qui se déroulait plus tard en soirée. Restez là, Golf Mag revient après cette pause. Le Golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean s'engage à promouvoir et à stimuler la pratique du golf en prônant l'ouverture et l'accessibilité. Aussi, il se targue d'être innovateur avec des activités telles que le championnat Long Drive. En compagnie de Pierre Durivage, qui est un peu l'instigateur de ce concours de longs coups de départ présenté sous les réflecteurs ici au club de golf de Saint-Prime. Pierre, cet événement-là, je veux dire, ça attire et c'est toujours populaire. C'est quoi le secret de la réussite de cet événement-là? C'est le challenge. C'est un challenge sportif, c'est un sport extrême, finalement. Ah oui? Faut pas gêner de le dire. Puis les gens, quand ils frappent. Sauf que ce qu'on s'est aperçu, c'est que de plus en plus de frappeurs sont de très bons golfeurs aussi. Effectivement. Alors, c'est pas juste des gars de baseball. Là. Et essentiellement, c'est quoi le défi? Comment ça fonctionne? Explique-moi le déroulement de la compétition. À la base, on a 6 balles
qu'on doit frapper dans 2 minutes 45 secondes. Quand on va au final mondial, on est quatre gars à frapper en même temps, donc on entend les coups de tous les gars, puis les cris, puis les « wow ». Alors, c'est très déconcentrant. Mais l'idée, c'est que tu frappes les trois premières balles dans la grille qu'on appelle. Oui. Safe. Puis après ça, bien, tu ouvres la machine. Et c'est pas évident, là, présenter ça sous les réflecteurs, devant de la foule. Il y a le côté stress, le côté adrénaline qui doit embarquer pour les compétiteurs. Pour ceux qui sont pas habitués à des caméras, oui. Pour vous autres, c'est plus facile. Ouais, mais encore faut-il la frapper loin. Oui! C'est ça, le défi. Pourquoi avoir choisi cet endroit-ci au Club de golf de Saint-Prime pour organiser ça? C'est pas moi qui l'ai organisé. Il faut dire que c'est Jonathan Lambert et l'équipe du golf ici qui ont décidé de faire un long drive. Ça fait 2 ans qu'ils le font, d'ailleurs. Et moi, compte tenu, j'étais l'organisateur des long drives Québec-Maritime, où on a envoyé 30 gars au final mondial. Ben, ils m'ont appelé, ils ont dit « Peux-tu nous amener une coupe de gars du mondial? » C'est comme ça qu'on s'est retrouvés ici avec les amis, quoi. On a invité Gabriel Caron-Landry, qui en 2011 s'était classé parmi l'un des 50 meilleurs cogneurs au championnat mondial de Long Drive Remax à Las Vegas. Sa vitesse de balle est impressionnante. Pour les plus jeunes, on parle du 350, 375 verges, dans les conditions atmosphériques qu'on a aujourd'hui, qui sont comme lourdes, etc. Dans les seniors, ça frappe 300, 310, 320. Et éventuellement, est-ce que ces gars-là peuvent aspirer à des étapes supérieures? Oui, au final mondial, dans l'Open. Quand on a eu un Marc-André Bellan qui était, quoi, il avait frappé 412 verges en 2012. Aïe, aïe. À l'île de Gus Boisé. Ben oui, ben anciennement du Boisé, qui a malheureusement fermé. Puis ce soir, on va avoir Gabriel Caron-Landry, qui était le gars qui a enregistré la plus rapide vitesse de frappe. C'est-à-dire? L'an passé, 152, je pense, 1000 à l'heure. Aïe, aïe. Tu veux pas te mettre le doigt entre la balle et sa face de bâton? Non, je croirais pas, non. Ben Zubac passe à travers un plyo de 5-8. Ouais, je sais. Mais pour toi, c'est stimulant d'organiser ça? Ben c'est le fun. On a depuis deux, c'est une gang qui ont du fun. Puis c'est des gens qui jouent au golf aussi ensemble. C'est pour ça qu'on est content de faire un Vegas en même temps, parce que là, on n'est pas dans le long drive. Mon bâton de long drive est dans l'auto, là. Et Pierre, merci. Et puis bon succès. Daniel, merci beaucoup. Bonne partie. Salut. Classé en 13e position, se vante encore d'avoir frappé le plus long l'an dernier, Louis Lapierre. Le championnat long drive s'est déroulé dans des conditions moins favorables qu'à l'habitude. Malgré tout, les frappes étaient impressionnantes et le gagnant a réussi une drive de 307 verges et ce fut Mathieu Larouche. C'est haut! Nous voici maintenant rendus à notre segment du trou vedette de la semaine. Le 11e trou du parcours de Saint-Prime s'allonge sur 313 verges et il est une normale 4. Bordé par le magnifique lac Saint-Jean, on y retrouve 4 fosses de sable et un beau grand vert. Trou numéro 11, beaucoup d'eau. On est en bordure du lac Saint-Jean. Un par 4 qui a des risques d'être atteint en 1. Donc, c'est un drivable par 4, mais je vous dirais que ça prend de la précision incroyable. Puis quand on a un vent de gauche à droite de 50 km/h, ça change toute la partie. Alors, cette semaine, le trou vedette au Club de golf Saint-Prime, je vais le jouer avec Jonathan Lambert, qui est directeur de golf, oui. Enseignant ici. Oui. Et tu as choisi vraiment un très beau trou. Et moi, j'aime ça, ce genre de défi-là. Il se joue comment, le trou numéro 11? Donc, trou numéro 11 en bordure du lac Saint-Jean, un plan d'eau aussi sur la gauche, lac Saint-Jean sur la droite. Donc, on va essayer de jouer le plus timidement possible avec un petit coup de fer au centre de l'allée. Étant donné qu'on a un bon vent dans le visage, on n'essaiera pas de se placer très près du verre, parce que c'est un coup de départ qui est très dangereux. Donc, on va essayer de jouer un beau petit coup de fer au centre de l'allée. Parce que sur 310 verges, cette normale 4-là peut, en théorie, s'atteindre pour les longs cogneurs. Oui. Mais je retiens un mot-clé de ce que tu as dit. Tu as parlé du vent. Oui. Est-ce que le vent est un facteur ici prépondérant au Club de golf? Extrêmement tannant, parce que souvent, on a des vents de 40, 50, 60 km/h. Hey. Ça peut jouer des tours aux joueurs. Là, je vois des fontaines d'eau du côté gauche. Je vois une fosse du côté droit derrière les arbres. Tu as dit qu'avec un vent, normalement, on oublie le bois numéro 1. On y va avec des fers. C'est ce qu'on a fait, visiblement. Quelle est ta stratégie ici avec un fer en main? Je dirais en plein centre de l'allée, on va viser le piquet du 100 verges rouge. Ouais. Un coup de 200, 220 verges, ça va être parfait. Puis après ça, bon, on déterminera le travail qu'il nous reste à faire. Parfait. Super. Excellent. Quel fer as-tu dans les mains? Fer 4. Fer 4, super. Ouais. Ah, solide.
parti. Beaucoup. Excellent. Belle shot. Hein, on sent le petit vent en haut, hein? Idéalement, il fallait la garder basse. Là. Ça va être un fer 3, Jonathan. Parfait. Et je vois au loin là-bas, il y a comme un amoncellement de cèdres à gauche de la fosse de sable. Est-ce que ce serait la bonne cible à jouer? Centre gauche, avec un petit fade. Parfait. Plus basse possible. Excellent. Je vais apprendre là. All right, on va devoir nos balles. Good. Ah, c'est bon ça, on est aux bonnes places. On est à la bonne place, dans l'allée. Jonathan, il y a une partie du boulot qui est fait. Ta balle se retrouve, pas en plein centre de l'allée, mais dans l'allée. Mais il y a un degré de difficulté qui est quand même omniprésent ici, c'est qu'on a rarement les pieds égaux. Hein? Oui, effectivement. Puis encore une fois, un vent extrêmement dominant de gauche-droite. Ça va demander d'utiliser les meilleurs outils que j'ai dans mon sac. Parlant d'outils, qu'est-ce que tu as dans les mains? 50 degrés. Ouais, 125 verges, c'est quand même pas pire, ça. 125 verges, un petit vent du visage de côté, gauche-droite. Donc, je vais frapper un bâton que je frappe à 135. Ouais. Au bouchon, puis on fera pas de demi-mesure. Bon, ben vas-y, au bouchon, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Contact solide, ça. Très solide. Good. Un petit peu à gauche. On va aller voir ça. Voilà la mienne. Je vais juste récupérer un bâton en passant. Bon, on va regarder ça. Moi, je vais m'en amener deux bâtons parce que je suis autour du 100 verges. Je serais curieux de savoir, Jonathan, ce positionnement de drapeau-là par cœur. Est-ce que tu peux me dire si c'est au centre, à l'arrière, en avant? C'est fond gauche puis une pine extrêmement difficile d'accès. OK. Ça va prendre un bon coup. Est-ce que tu peux tenir ça? J'ai 101 verges. Il doit pas avoir beaucoup de dégagement derrière ce drapeau-là, hein? Honnêtement, soit que tu y vas vraiment pour l'extra ou tu joues sans du vert, c'est ce que je te conseille, honnêtement. Bon, mais comme je connais pas le terrain, je vais y aller vraiment plus... de façon plus conservateur. Je vais jouer ça possiblement à court. 101 verges, hein? Prendre là, hein? Super. Restez là. Golf Mag revient après cette pause avec les suites du Trouvadette de la semaine et les conseils de Jérôme Blais. Notre conseil de golf de Jérôme Blais est enregistré sur les sites du club de golf L'Express, fier partenaire de Mulligan International, balle de golf récupérée. Je me fais souvent demander quel type de balle jouer. On va définir les golfeurs en deux catégories, le golfeur débutant et le golfeur plus avancé. Si vous êtes un golfeur débutant, vous cherchez des balles à bas prix pour une grande quantité. Les balles récupérées sont une très bonne option. Vous allez acheter un sac de balles ici, pas très cher, vous avez plusieurs balles. Comme ça, si vous en perdez quelques-unes, ça fait pas trop mal au cœur. Puis même si vous achetez des balles à plus haut prix, vu que vous êtes débutant, vous ne verrez pas vraiment la différence. Donc, idéalement, des balles récupérées, vous allez trouver ça vraiment extraordinaire. Pour le golfeur plus avancé, on peut s'acheter des balles flambant neuves, des Pro V1X. Moi, je joue de la Pro V1X, mais il y a toutes sortes d'autres compagnies aussi qui vendent des balles de très haute performance. On peut les acheter usagées aussi, donc des balles récupérées. Il y a des compagnies qui se spécialisent à repêcher les balles, à les nettoyer. Et je peux vous dire une chose, les balles souvent sont bien triées. On trouve des balles pratiquement neuves. La performance est très bonne, aussi bonne qu'une balle neuve. J'ai un exemple ici. La balle a été emboîtée. C'est des balles récupérées. Elles ne sont pas neuves, mais elles sont presque neuves. Moi, je joue avec ça en tournoi. Ça performe très bien. Puis ça permet aussi de
perdre une balle de temps en temps, ça fait moins mal au cœur que lorsqu'on a payé une douzaine, 60 $ là-dedans. Au niveau des balles récupérées, il y en a de toutes sortes. TaylorMade, Nike, Callaway, Bridgestone. Les lacs, ils font pas de discrimination. Ils prennent tout ce que les golfeurs vont leur offrir. Écologiquement parlant, l'achat de balles récupérées est un bon geste pour l'environnement. Je joue moi-même en tournoi avec des balles récupérées. Sur ce, bon golf et essayez de pas trop perdre de balles lors de votre prochaine ronde. Le club de golf Saint-Prime du Lac-Saint-Jean propose des panoramas à couper le souffle. Plusieurs trous se retrouvent bordés par l'un des plus grands lacs au Québec, le lac Saint-Jean. Retrouvons Daniel et Jonathan sur le verre du 11e, cette courte normale 4, pour leur coup roulé. Jonathan, je pense qu'on a frappé deux très bons coups. Mais en même temps, la position du drapeau était tellement difficile que notre marge d'erreur était vraiment mince, là. Effectivement. Puis comme on disait, avec le vent ici à Saint-Prime, on était tous les deux à un coup de vent d'avoir une shot parfaite. Ouais, mais écoute, moi, je le prendrais là n'importe quand, même si je suis pas sur le vert. Je pense qu'on a un coup chacun relativement facile à exécuter, là. Ouais. Toi, de cette position-là, est-ce que tu potes ou tu y vas d'un coup d'approche? Honnêtement, je vais y aller d'un coup d'approche. Ouais. C'est sûr qu'ici, avec les qualités du terrain, on a le doigt de lever, nettoyer la base sur nos frises. OK. On n'est pas en règle d'été. Parfait. Donc, je vais en profiter pour placer ma balle à mon goût. Je vais faire de même. Honnêtement, c'est ça. Je vais y aller avec un pote. Je vais jouer plus sécuritaire un petit peu parce qu'avec un chip, c'est pas long avec le verre descendant qu'on va perdre la balle au bout du vent. Et Jonathan, évidemment, on a l'immensité de votre beau lac Saint-Jean juste devant nous. L'écoulement naturel du terrain se fait naturellement par là. Exactement. C'est sûr qu'idéalement, il faudrait pas que mon pote se rentre dans le lac Saint-Jean. On va y aller un petit peu à court, mais comme je disais, je vais jouer la sécurité. Hey, veux-tu le drapeau ou tu veux que je te l'enlève? J'aimerais ça que tu me l'enlèves. Parfait. Merci. Ah oui, ben oui. Oh! C'était délicat, ce pote-là. On va le prendre. On va le prendre. Beau père. Merci. Belle normale. Merci. Alors, j'ai vu un peu ce que ta balle a fait, hein. Elle a tricoté un peu pour sortir de la frise, mais la vitesse était quand même intéressante après. Bonne vitesse. Pente descendante. Tu devrais avoir quand même un bon gauche-droite là-dessus. Tout à fait. Tu vois comment il est rapide, hein? Très joli. Ça apprend très pas grand-chose. Tu devrais avoir une belle normale avec ça. Ouais. Voilà. Alors, c'est un petit par 4, mais souvent, les petits par 4 ont vraiment quelques difficultés. Et c'est ce qui rend le golf fort, fort excitant. Exactement. Puis on rejoue le même trou demain. On peut avoir le driver en main, vent de dos. Un petit birdie facile. Ouais. Mais c'est pas le cas pour aujourd'hui. Ce sera pour la prochaine fois. Jonathan, merci beaucoup. Merci puis on beaucoup. Va inviter les gens, nos téléspectateurs à Golf Mag, à venir visiter et découvrir ce magnifique terrain de golf qui est le club de golf Saint-Prime. Bienvenue à tous. Lors du Mega Weekend Golf, on avait organisé un skins game avec des golfeurs invités de renom. Kevin Fortin-Simard, golfeur de la PGA, Pierre-Alexandre Bédard de Chibougamau, ainsi que Sonny Michaud de Montréal. Quelle journée incroyable! Puis juste regarder la foule qui nous suit, là, derrière, ça a été vraiment un comité d'accueil vraiment inoubliable ici au club de golf Saint-Prime. Puis avec Sonny, Joe, PA, puis Kevin Fortin-Simard, j'avais pas grand-chance de gagner, mais j'ai eu énormément de plaisir. J'ai eu beaucoup à apprendre, évidemment, c'est tous de bons golfeurs. J'ai vu des drives, des coups d'approche, des potes. Je me suis énormément amusé. Les deux premiers trous n'ont pas fait de vainqueur. Le troisième fut remporté par Kevin Fortin-Simard. Les deux suivants ont été crédités à Pierre-Alexandre Bédard. Jonathan Lambert a réussi le sixième. Kevin Fortin-Simard a remporté et empoché ainsi 1 200 $. Après avoir connu des ennuis financiers en 2014, il y a un comité formé de membres ici au club de golf de Saint-Prime qui s'est réuni. Question d'une part de reconfigurer le parcours de golf. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vendu 18 terrains immobiliers, dont 11 sur le bord du lac Saint-Jean.
Et par la suite, bien, pour assurer l'avenir du golf, on s'est mis à organiser des événements comme ce méga week-end golf ici en fin de semaine. Et de cette façon, bien, on assure la pérennité de ce magnifique parcours de golf à Saint-Prime. Alors voilà qui complète Golf Mag cette semaine. Merci de nous avoir suivis et faites comme nous. Venez visiter cette belle région avec ces gens si accueillants. Bonne semaine! Golf Mag vous a été présenté par la forfaiterie. 1500 forfaits cadeaux, une seule adresse. Cette émission a été enregistrée sur les sites du Club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean. On connaît tous l'importance du développement du golf au Canada, mais saviez-vous que 30 % des golfeurs canadiens sont initiés à ce sport entre l'âge de 6 et 17 ans? Et savez-vous combien de parties les Canadiens jouent par année sur l'ensemble du territoire canadien? 60 millions de parties de golf, c'est énorme.